Minasan, je suis Shinbog et aujourd'hui on se retrouve avec deux invités. Qui es-tu? Vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Salut, c'est Kevin. Et toi, qui es-tu? Salut, c'est Gwendoline. Et aujourd'hui on va faire une dégustation Candysan. Candysan. Et nous sommes peut-être pas les premiers à faire ce genre de vidéo. J'en ai mais, déjà fait une. Oui, elle en a déjà fait une, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, je mettrai probablement le lien dans sa description, tu me passeras le lien. Oui, j'ai pas encore vu d'ailleurs. On a un collier rempli de petits trucs. On sait pas trop ce qu'on a commandé en fait. C'est un pack découverte. Ouais. Et on va découvrir avec vous aujourd'hui. Tu veux commencer par choisir un truc? Vas-y, oui. La main innocente. Ah, la main innocente. Tu fermes les yeux, tu prends un truc, ok. Attends, j'enfonce ma main avant que tu me dis dessus alors. Qu'est-ce qui m'a tourné? Voilà. Oh. Alors, je m'en de plus près. Voilà. C'est des c'est... petits champignons. Voilà, on dirait des. Oui, on dirait des champignons à la fraise. On va commencer avec ça. Paraît que c'est bon. Après, je sais pas trop, jamais goûté. J'espère. Bah, dans d'autres vidéos, vous avez dit que c'était bon. Alors, moi, j'aime la fraise, donc normalement, ça devrait aller. À toi l'honneur, mademoiselle. Merci. Ça sent trop bon en plus. Ça sent comme la glace à la fraise. Ouais, mmh. Mais j'espère que c'est mieux que la glace à la fraise. Bah, ouais. Bon. Santé. Oui. Et un ami s'est caché là. Qui veut pas se montrer. Qui était dans mon ancienne vidéo. C'est vrai, c'est bon en fait. Ouh. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas trop la fraise. Non. Ça, à la fin, si, en arrière-goût, on le sent. Moi, en arrière-goût, mais c'est bon. Léger. Voilà. Ouais, ça va, c'est pas mauvais. Moi, j'en prends quand même. J'ai faim, quoi, les midi. Bah, moi aussi. À moi. On n'a pas une note. Une note. De 1 à 10. De 1 à 10, vas-y. Moi je dis 4 parce que voilà, ça peut être mieux. Je suis pas trop fan de ce biscuit. Moi 5. Peut-être que c'est pas écœurant donc tu sais le manger, tu finis le paquet quoi. Ouais. Une fois que tu commences. Moi je dirais 6. 6 ? Bah c'est pas dégueu, mais non, c'est pas. C'est on dirait pas la fraise quoi. Bah si on. Moi je trouve qu'on sent quand même un peu le goût des petits laits à la fraise. Ça a le goût des petits laits à la fraise. C'est ça, plus le goût. Mais en moins bon. Mais en moins bon. Ouais. Oh bah bon. Bon. Il y a le biscuit qui est bon. Alors j'ai pêché un truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais. Oh. Moi je sais. On doit faire des sushis en bonbons. Ouais. En gros, tu as plusieurs sortes de bonbons et tu dois les assembler ensemble. Donc t'as les bonbons rouges qui sont à la pêche. Oh, je remonte. Là, les bonbons à la pêche, au citron à la banane, c'est ça? Ouais. Et il faut les mettre ensemble. Oh, mais c'est génial. Cool. Bon, on ouvre ça tout de suite. Avec des ciseaux, sinon. Non. C'est une barbare. Non, pas des ciseaux. Ah, mais ouais. Ah, mais c'est chelou. Ah, mais ouais. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse. Trop. Y'a pas. C'est tout? Oui, c'est tout. Et ça, c'est tout. Ok, bah, on va ouvrir. Mais y'a pas un mode d'emploi. Ouais, voilà, parce que. Bah, y'a pas de mode d'emploi, c'est... tu dois juste l'ouvrir. Tu prends un des bonbons, tu vois, ça représente le riz et ça représente le petit poisson au-dessus du riz pour faire les sushis. Mais c'est con, c'est nul. Mais c'est nul. C'est décevant, oui. Mais non. J'espère que c'est bon. Mais il y a d'autres packs pour construire carrément tout le sushi où t'as juste de la poudre et tu dois mettre de l'eau et tout. Ah ouais, mais là c'est mieux. Oui, c'est super mauvais. Allez. Il veut pas s'enlever. Ah. C'est tout brillant. Bah, ça colle quoi. Je sais pas, à mon avis, ça a peut-être fondu. Ouais, ils collent ensemble. Ils se sont pas cassés la tête. Bah, j'avoue. Moi, je vais prendre celui-là. Tu sais, on dirait qu'ils ont mis le papier collant par-dessus. Et qu'on peut pas les enlever. Ça donne pas envie en fait quand tu vois ça. Vas-y, prends un si tu veux. Vas-y, là, je te laisse. T'aimes d'abord. Ouais, et ça donne un truc comme ça. Ça a pas l'air aussi bon que sur le papier. Mais t'as pas plus de riz que de. Mais si on a trop de trucs blancs. Ah mais non, parce qu'on a autant de trucs blancs que de trucs jaunes et rouges ensemble. Ouais. 1, 2, 3. Mais si
sortie, regarde. Ah ouais, ouais, ah ouais. Tu arrives. Nul, moi qui vais faire santé. Tu arrives. Oui, ouais, ça sort. Vas-y, Gwen. Vas-y, Gwen. Ça sort, ça sort. C'est bon. Ouais. T'as vu, on dirait Pépé Collant. Vas-y, montre à la caméra. Elle a une petite crevette. Tu arrives. Ouais, ouais. Bah ouais. Moi, j'ai plus facile. Toi, t'es un pro. Bah ouais. T'as habitué des bonbons. J'ai plus de petit. Moi, je prends le sushi. Oh, moi, je goûte déjà. On dirait du saumon, le mien. S'il veut bien venir. Comme la platine. Bon, on dirait petit nounours comme ça, de Haribo. Ouais. Rien de spécial. Juste que ça a une forme de sushi. Vas-y, goûte. Mais non, mais le blanc, il est dégueulasse. Parce que j'allais dire, en fait, j'ai mangé le blanc d'abord et je me dis, c'est vraiment dégueulasse. Le blanc, il est dégueulasse, mais je pense que c'est la banane, le blanc. C'est pour ça, j'aime pas la banane. Mais c'est une banane vide. Ouais, c'est une banane. Ouais. C'est un arôme de banane. C'est pas une... Je suis pas fan de la banane, mais ça va. C'est comme les nounours Haribo, quoi. Mais voilà. Ouais. Ah, ça a un goût dégueu après. Moi, je mets 4. Pas super. Plus. Je mets 3, c'est dégueulasse. Moi aussi 4. Parce que non. Parce que non. C'est bon, ben. Sachez, j'en avais acheté et ils sont toujours dans l'armoire. Ça veut tout dire. On a mauvais. Bon, vas-y à toi. Prends un truc. Il a regardé avant, il m'a dit. Mais non, j'ai pas regardé. Regarde pas, hein. Mais je regarde pas. Ah. Oh, ah, ça c'est démon. Le truc créé, c'est la classe que j'ai. C'est Nemo. Wow, moi j'ai la main. Là c'est Nemo. Ici. Ah ouais. Mais tous les poissons clowns, pour moi c'est des Nemo. Alors. Je pense que je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, en fait, je sais pas. Oh, faut mettre de l'eau et tout. C'est un truc chimique, non? Ouais. Oh, mais putain. J'ai mal choisi, en fait. Mais trop. Et on a pas d'eau, on a que des coca. Oh, mais c'est trop bon. Mais je propose qu'on fait les trucs chimiques à la fin. C'est... Ouais. Comme ça, on doit pas tout le temps se voilà, et comme ça, on peut montrer avec la caméra. Ouais, on peut faire un close-up et tout. Donc, on met ça de côté. On va prendre autre chose, alors. Prends toujours un truc difficile, toi. C'est pas ma faute, j'aime les choses compliquées. Alors, qu'est-ce que c'est? Un autre truc chimique? Non, je rigole. Alors, ah, c'est ça, c'est des chips à la patate. Et à la tomate. Il y a aux légumes aussi. Et il y a au bœuf ou de la viande. Bah là, c'est aux légumes. Voilà. Alors, il y a des oignons, des tomates, de la viande et des carottes. Et des patates. Oui, mais les frites, c'est toujours des patates. Hein? T'avais pas fait bolognaise, ça, ce qu'il y a d'ingrédients? Peut-être bolognaise, j'en sais rien. On va goûter ça tout de suite. Tu peux le faire. Vas-y. Ok, ça le gêne. Ah bah ouais, ça sent un peu la boulot. Ah, tu vois, j'avais dit. Ouais. Je suis doué. Il n'y a pas beaucoup dedans. Ouais. Bon, je peux le goûter. Prends, si tu veux. Non, mais celui-là, je n'aime pas. Oh, moi, j'aime bien ça. C'est des chips en fait, pour la mienne. Bah, c'est des bêtes chips bolo, ouais. Quoi. Elles ont pas beaucoup de goût. Non, hein. Je trouve qu'elles sont assez fades. Mmh. Tu trouves aussi? Bah, ça va, j'aime bien le goût en fait, le petit goût. Mais je trouve que c'est un petit peu différent que de la bolo en fait. Mais je sais pas c'est quoi qu'ils ont. Moi, je sais pas, on dirait. Comment? Non, ça a presque pas de goût en fait. Mmh. Ça va, c'est pas mal. Le goût, non, voilà. Parce que c'est des chips, je mets un 6. Mais je suis approchée donc. Non, moi je mets 5. C'est pas. Non, moi 6 aussi. Que je t'aimerais pas trop. On sent pas trop le goût, c'est bon. J'aime bien. Mm-hmm. Bon. À moi. Next, on va si ouais, tu manges pas trop, hein. Sinon, après, tu pourras plus. Tiens. Ça fait bon. Ah, ouais. Ah, ça aussi, on peut mettre. Qu'est-ce que c'est? C'est des bonbons ramenés. En gros, c'est des petites pastilles qu'on veut raminer et là c'est au melon apparemment. Oh, au melon. Vert, c'est melon. Et un petit melon. Et quoi, faut pas mettre de l'eau? Non, rien du tout. Parce que je vois un vert dessus, donc je vais mettre. Ouais, bizarre. Eh bah, t'es pas doué, hein? Non, hein, pas aujourd'hui. Parce qu'il fait froid. Bon bah, c'est une petite bouteille comme ça et plein de petits trucs dedans. On va. J'ai fait sauter le bouchon! Ah bah, t'es doué! Ah, mais un truc comme ça! Ah merde, si tu mets dans l'eau, ça fait pas un effet? Tu peux
toujours essayer. Ah. Je sais pas parce que tu sais, c'est dans une bouteille, ils montrent un truc liquide sur le paquet. À mon avis, il y a quand même un truc avec de l'eau, non? T'as de l'eau dans la bouche? Ouais, aussi. C'est vraiment de l'eau, c'est de la saillie. Ils sont meilleurs que ceux qu'on a goûté. Eh, hey, c'est très bon! Mais c'est hyper bon ce truc! Ouais. Ouais. Mmh. Ça a un fort goût de melon. Bah, c'est du concentré, à mon avis. À mon avis, c'est un truc qu'on pourrait dissoudre dans un verre d'eau, en fait. Ouais, tu vois. C'est pas obligé, mais on pourrait. C'est des bonbons en poudre, presque. Ouais, ouais. Je trouve c'est que hyper ça bon. Pas le goût du ramuné, en fait. C'est hyper bon. On sent bien le goût, en plus. Mmh. C'est super bon. En plus, si vous aimez le melon, c'est super. Ouais. Mmh. Il faut prendre ça. En plus, c'est stylé, ça sent pas. J'espère qu'il y avait un autre truc au melon qui sera bon aussi. J'espère. Et après, pas tout au melon est bon. Hein. Non, c'est ça. J'aime la fraise, mais bonbon là, bon, ouais. Mmh. Alors, à moi. Je te dirais d'aller chercher le bouchon. Alors ça, je crois, c'est des gelées à la pomme. C'est des petits bonbons avec un cœur fondant. Un cœur fondant? Oh. Ouais. Non, en plus, c'est une marque connue chez nous. Je connais pas, moi. C'est un truc de fruits, hein. Ouais, ouais. Non, je... mais non, mais ils font des vrais fruits, c'est pas des bonbons normalement. Bah, je sais pas. Ouais, c'est des trucs, c'est une marque de fruits. En plus, c'est fermeture facile et tout, normalement. Ça, c'est bien. Chez nous, on n'a pas ça. Il n'y a pas beaucoup de paquets de bonbons et des fermetures faciles. Si, on a le truc de Vix et tout. Ouais, voilà. Ah, oh mon dieu. Ça fait peur. Des gelées comme ça. On dirait des puddings. Ouais, la texture, elle est bizarre. Oh, mais ça sent trop bon, la pomme. Mmh. Ça remonte l'estimation, si on peut dire ça comme ça. Moi, je dirais 6. On n'a pas mis de points pour... Non, pour le truc au melon. Ouais. 10. 10 out of 10. Yeah. Jamais rien n'est parfait. Hein? Jamais rien ne peut être parfait. Non, moi, je mettrais un 8. Moi aussi, c'est super bon. Mais je pense qu'on peut avoir de meilleurs trucs. Encore. Bah, s'il y a meilleur, bah, ce sera 11 sur 10, désolé, mais... Non, j'aime beaucoup le truc à la pomme. Je vous conseille vivement de prendre ces trucs là. Vas-y à toi. À moi? Ouais. Bah c'était pas... Non. Les croissants. Juste pour ça je prendrais pas. Il est au fond. Bouh. Un truc bizarre. Oh, une glace. Oh, une glace. Oh non. Caplico. Géant Caplico. Zen Giant Caplico. C'est en biscuit ça. Ouais, c'est... On dirait les... Les cornettos, pour ceux qui savent, mais alors on dirait, à mon avis, c'est du biscuit avec une genre de mousse de chocolat. Oh, j'adore. Il me semble qu'ils avaient goûté dans la vidéo avec Tirachi. Je sais pas. J'adore. De faire la pub des autres dans la vidéo. Je sais pas. Mais t'avais pas. Si, t'avais déjà acheté un truc comme ça à la fraise. Ouais. On était dans un magasin, un supermarché asiatique. Et lui, ici, il a pris un. Un cornet comme ça à la fraise. Mais c'était dégueulasse. Voilà. Donc c'est ça. Mais le chocolat c'est différent. Bon, je vous montre. C'est un cornet dégueulasse. Il me semble que dans la vidéo que j'ai regardé, ils ont dit aussi que c'était dégueulasse et c'était le chocolat. Mais bah non, vas-y, goûte. Du chocolat, ça ne peut être que bon. Quand tu manges dedans comme ça, vous êtes oui, pas. Oui, vas-y, non, mais t'inquiète. Mais non. Sauf si t'es malade et que t'as une crise douce de mourir. Bah, c'est du chocolat quoi. Oui, c'est bon. Ouais, moi j'aime bien. Je suis tentée de croquer, voilà, pour que voir s'il y a un truc à l'intérieur.
Mais un mouchoir en dessous, quoi. Oh, même à l'intérieur, c'est rempli de chocolat. Voilà. Je sais pas si vous voyez, là. Mmh, ouais, non. Ça donne bien avoir dose de chocolat. J'aime bien l'idée, j'aime bien le goût. Par contre, le biscuit, c'est un bête biscuit de chocolat. Biscuit de cornet. C'est bon, justement. Pas mal, hein. Mmh. Ouais, ouais. Ah. Alors, vu que j'aime le chocolat, mais que j'aime pas le biscuit de cornet. Non, je suis pas fan des biscuits de cornet. C'est dommage. Moi, non, j'aime bien. Je mets un 6. C'est du bête chocolat, quoi. Il n'y a rien de très spécial. Ouais, mais c'est l'idée, quoi. C'est le concept, quoi. Oui, t'as une glace que tu peux manger en été, en hiver. Oui, chouette. Bah, en général, on mange de la glace. Oui, oui, mais ça, je veux dire en hiver. Quand tu veux, c'est une glace qu'ils font pas, quoi. Voilà. Moi, je mets 8. Charlie, la chocolaterie. Non, ouais, ça va. Je mange pas trop. Il y a encore plein de trucs, là. Bah ouais. Vas-y. Mais c'est une glace, ouais. Mais c'est bon. Ça passe. C'est le petit sachet tout mignon. Oh oui, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est des chips. Non, aux cacahuètes, parce qu'il y a une petite cacahuète là. Ah ouais, mais, ah, mais les chips cacahuètes, c'est trop bon, non? Ouais, quand je pars en vacances en voiture, on s'arrête aux aires d'autoroute et on prend toujours des chips aux cacahuètes. Tu sais, on dirait des Cheetos, mais alors c'est à la cacahuète, c'est trop bon. Moi, c'était quand j'étais petite, on allait au cactus en magasin. Pas. C'est au courant du chef du Luxembourg. Ah oui! Ah, oh, mais oui, c'est ça! Mon avis, moi. Ouais, mon avis, tu as une. Oh, c'est trop bon! Moi, non, pas. C'est super sucré. Bah oui. Ouais, par contre, c'était bien que c'est sucré. Ça fait pas le goût de la cacahuète. On dirait qu'ils ont rajouté du caramel. En fait, ça a plus le goût du caramel que... Ouais, ça c'est dommage parce que je préfère quand même la cacahuète. Mais c'est pas mal, c'est le genre de truc que j'aime bien manger. Ça fait plus penser aux cacahuètes sucrées, en fait. On va se battre quand va falloir partager tout ça. Ouais. La question ne se pose pas, c'est moi qui prends tout ce qui reste. Oh, ah, je rembourse pas. Tu te débrouilles avec elle. C'est bon. Alors, moi je choisis... Les mini croissants à la fraise. Ça a l'air trop bon. Ça peut même se manger avec du café, ma fraise. C'est le meilleur. Ah, avec une petite dose. On va se faire du café. Vous voulez un café? Non, merci. J'ai une machine à café. On va pas de café. Non, c'est la seule. Bah, moi j'en bois, mais ça me donne. Donc je préfère éviter. Ouais, non. Ouh, ça sent trop fort la fraise. Oh mon dieu. C'est parce qu'ils sont tous au monde avec compacté. Ah, je sais pas. Ils sont gros. Mais des fois il y a une odeur tellement forte, même si ça a l'air bon, l'odeur est tellement forte que ça écœure en fait. Ouais. On dirait plus la fraise des petites sucettes quand t'as le petit sucre qui pique comme ça. Ouais. Ouais. Enfin, on dirait plus un bonbon qu'un biscuit. Ouais. Je sais pas. Mais ça me fait penser à ça, mais voilà. Alors à la fraise. Ouais, non. Moi, j'aime pas. Je trouve que c'est trop. Je trouve que ça va, fraise. Mais je mangerai pas en sachant. Non, voilà. Non. Hein, et en mais... C'est parce que c'est trop sucré qu'il voilà. propose un café avec en fait. Mmh. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Je mets 7 sur 10 parce que ça va, c'est trop bon, mais trop sucré. Ouais, 7 sur 10 aussi. Moi, 5 parce que l'idée est bonne, mais faut aimer la fraise quand même, sinon t'aimes pas, ça passe pas. C'est bien parce que c'est en forme de croissant. Voilà, ça j'aime bien en fait. Vas-y, aide-toi. À moi. On va par là. On va prendre ça. Marrons. Pourquoi les marrons? Mais c'est trop bon les marrons. En petite quantité. Hein? T'aimes pas les marrons? C'est bon mais en petite quantité. Bah là ça a l'air de. Une fois j'étais au marché de Noël et j'avais acheté des marrons. Mais j'en avais trop pris. Mm. Ça ressemble à quoi? Ça sent la viande.
Ça a l'air gluant. Ouais, en fait, mais ça sent vraiment la viande bizarre, en fait. Oh. C'est marrant, la viande. Non, mais sans, je te jure. C'est bizarre, ça donne pas envie, en fait. Attends, je verse sur le truc. C'est des marrons... C'est même pas, c'est pas séché, c'est pas des marrons séchés. Non, non, mais... Si je pouvais vous faire sentir, les gens, si je pouvais vous faire sentir, je vous jure que je vous fais sentir, mais ah, ça a l'air dégueulasse. Mais ça veut dire de la pâte. T'as vu qu'on dirait de la pâte qui est... Attends, je goûte. Vas-y, toi d'abord. Ah, c'est dégueu. C'est des marrons, mais c'est tout mou. Oh non, c'est dégueulasse. Oh mais non, c'est dégueulasse. Mais père, mais père. Ah, je vous jure, c'est dégueulasse. Mais j'aime les marrons, mais pas comme ça. Non, vraiment, je trouve que ça va. J'ai peur. Ah non, zéro. Zéro, je vous jure. Je mets 0 sur 10. Ah ouais, non. Toi aussi, t'aimes pas. Du coup, mais ça. C'est toi, t'en portes avec toi, là. C'est pas bon du tout. Mais j'étais à la poubelle, t'es con, quoi. Ah bah ouais, bah c'est bien le tien aussi. Mais moi, le mien, j'ai jeté. Bah non, il est là. Ah. Oh. C'est toi que j'ai jeté, alors. Ah, ah ouais. Ah, t'aimes bien toi? Bah, ça va, c'est pas. Je trouve que ça a le goût de marron. Ah, mais ouais, ça a le goût de marron en même temps. Je préfère les marrons cuits comme ça. Ouais. Dans la casserole, dans une poêle comme ça. C'est vrai que c'est meilleur. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de les cuire dans. Ça m'étonnerait, c'est déjà préparé. Ouais. Hein, c'est déjà préparé comme ça. Ah non, franchement. Non, et encore limite les marrons. Nature, vous savez que vous ramassez comme ça dans la forêt, vous pelez, vous mangez ça comme ça, c'est meilleur que préparer comme ça. Non, vous n'avez jamais fait ça? Si, si, moi je fais ça tout le temps. Quand j'étais petite, c'est avec les petits poils comme ça. Tu peux... Mais la texture, en fait, j'ai attendu de voir votre tête et j'ai pas goûté. Mais ah tiens, goûte. Ouais. Mais il aime pas mais déjà. Mais lui, elle aime. Tiens, goûte. Mais je suis pas fan des marrons. Tout le monde goûte tout. Mais la texture en plus qu'il y a avec, c'est genre tout mou, tout... T'as vu? Mais ouais, c'est... Attention, le sol, c'est pas mon tapis. Ah non, c'est pas bon. Ah ouais, non. T'as pris le pire truc de toute la boîte. Ah, pas que ça tombe sur moi encore. Mais trop, vas-y. Moi ça va, je mets 5. Ah non, voilà, 3. Big Zero. Ah ouais, là. Oh les petits pandas. Ça, c'est une gaufrette panda, si je me trompe pas. Il y en a que une. Oui, il y en a que une. Oh, voilà, parfait. En plus, c'est nouveau, Oh, mais c'est trop mignon! C'est trop! Oui, c'est petit, mais c'est mignon! Imagine partager en 3. C'est un petit panda! Moi, je prends la tête. En 4, hein. Ah ouais, 4. En plus! Non, mais si c'est comme les biscuits des pandas qu'on a déjà mangé, tu me diras ce que c'est. C'est tout mignon. C'est tout. C'est comme ça. Bah, c'est un biscuit, c'est dur! C'est jamais, tu sais que ça peut être dur, mais à l'intérieur, ça va. Je prends l'oreille. Bah ouais, t'aurais quand même pu prendre une oreille aussi. Mais c'est pour partager. Non, mais j'allais justement partager en deux ici. Bah tiens, je reste un morceau si quelqu'un. Ça a l'air léger. C'est léger. C'est bon. C'est chocolat. Chocolat vanille. Avec un petit biscuit tout léger, comme le cornet, mais en mieux. J'aime bien. C'est mieux parce que le biscuit est aussi au chocolat, en fait. Non, ouais, c'est bon. Ouais. Moi, je vois 9 parce que c'est un panda. Juste parce que c'est un panda. Bon, bah, le biscuit au panda, je recommande, c'est bon. C'est au chocolat et à la vanille. Je mets 7 parce que voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, mais c'est pas mauvais. Moi, je mets 8. J'ai vraiment bien. Et ce truc, la pomme d'un panda, bon, moi je prends le popcorn. Oh, wow. Ça j'aime déjà. Bon, bah c'est le popcorn Star Wars. Ça ne peut qu'être bon. Je vous propose qu'on se lève, qu'on aille au cinéma. Je vous propose qu'on se lève, qu'on aille voir le film et qu'on mange le popcorn en même temps. Ah, il y en a un qui serait très content. On l'a déjà vu. Ouais. Oh, mais j'ai pas encore vu. Tu l'as pas encore vu? Attends, je vais spoil la fin. Voilà. Non, non. Le truc est mort, machin est mort. Je me suis bien fait spoil par rapport à Yann Solo, donc ça va, j'ai pas envie d'avoir la suite. Spoil pas la caméra, voyons. Je suis sur un MMO et j'ai vu ça dans le chat général. Ah, mais toujours la merde. Ah, ouais, là.
corne. Mais c'est pas grave. Il est un peu jaune. C'est pas... On dirait paprika. Oh là. Mais pas marqué quel goût c'est sur le paquet? C'est écrit en japonais. Popcorn, paprika, spécial de savoir. Bourbon, popcorn. Ça doit être bon, paprika. Ouais. C'est du sang de trooper. Oh. Ah, mais je sais pas. En général, popcorn au sucre, je suis pas fan, mais au sel, j'aime beaucoup. Mais moi, j'aime bien les sels. C'est bizarre, tomate, hein. Mais c'est piquant. Mais oui, c'est un peu piquant. C'est trop bon. Mais c'est pas dégueulasse. Vraiment, c'est bon. Mais c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Goût, en fait. Mais je sais pas ce que c'est. Il y a un petit goût après. Là. Ouais. Qui sait lire le japonais? Par contre, ça vient de Disney. Hein. Ouais. Disney. Mais c'est très bon. Moi, j'en vraiment. J'enregistrerai un paquet pour l'emballage, mais sinon. Si tu veux, je l'emballage quand c'est vide. Ouais, je veux bien. Si tu veux, tu me le donnes rempli comme ça, je le vide et je lui donne l'emballage. En fait, c'est parce que c'est piquant, c'est parce que c'est des popcorn du côté obscur. Oh punchline. Non, c'est très bon. Tiens. Neuf, je mets un 9 parce que pour quelqu'un qui aime pas du popcorn comme moi, c'est très bon. J'aime beaucoup. Je mets 9. Moi je mets oui, c'est le maximum pour moi quand c'est bon, c'est oui. Et là, j'aime bien les popcorn, moi j'adore ça donc. Nul. Je pourrais en manger. Non, mais non. Vas-y, prends un truc. Moi je mets 9 aussi. Voilà. C'est trop bon. C'est. On dirait du poivre rouge en fait. Oh, des chips au fromage. Oh, chouette, ça c'est bon. Non, c'est pas du fromage, non. C'est du. Il y a écrit butter. Ah ouais, c'est du beurre. Ça, c'est bon. Désolé, aussi. C'est du beurre. Mais au premier mot, on aurait cru du fromage, on lisait pas. Oui, on dirait du fromage, mais faut lire avant de parler. J'ai écrit en japonais. Faut lire avant de parler. C'est écrit en grand butter. Hein. C'est pas comme si c'était écrit en petit. Ça vient de Hokkaido. Oh. Pas comme moi. Alors, c'est des chips au beurre. Pas mélanger les chips. Tu veux boire un truc, vas-y, dis. C'est dommage, il n'y a pas des boissons dans le carton. C'est parce que vous pouvez mettre des boissons, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, mais quand même, ils auraient pu mettre une canette, c'est déjà. Oui. Avec une canette, ils ne feraient pas rechanger de 5 euros. Bon, bah, c'est des chips, c'est une chips, tout ce qu'il y a de plus normal, à premier abord, au beurre. Oh, ça sent trop le beurre! Oh, mais ça sent trop bon le beurre! Oh, à fond! Par contre, le goût, on dirait du sel. Ouais. On dirait des chips au sel, mais non, très léger, avec un arrière-goût de beurre. Ouais, un arrière-goût qui est bon. Moi, c'est très bon. Moi j'aime pas. Moi j'aime bien. Bah t'en veux encore. Tu sais, quand je me fais un sandwich, je mets toujours base de beurre. Ouais, moi tu sais, mais là tu mets des chips. Sur les chips, je mettrais des chips. Non, c'est très bon. Non, c'est super bon. Alors, butter chips, trop bon. Non. Trop bon. Tenir la tête. C'est un petit paquet, mais quand même pas bien rempli. Hein. Heureusement que ça se vend pas. Heureusement que ça se vend au gramme. Et pas à la taille. Ouais, sinon. Trop bon. Non, mais non. J'avais des goûts bizarres. Montrez les habits qu'on a pris. Bah voilà quoi. C'est la nourriture, ça. Alors, à moi, c'est ça? Ouais. Oh, c'est déjà le fond du carton. Ça a été vu. C'est une boîte dans la boîte en fait.